Bienvenue dans cette nouvelle séance de méditation. Je te propose de pratiquer une méditation pour te permettre d'aller encore plus loin dans la pratique de la maîtrise de l'apaisement, de la maîtrise du calme. Vivre pleinement l'expérience. Alors installe-toi confortablement. Commence par fermer les yeux. Garde une respiration normale au niveau du nez, l'air qui entre et qui sort des narines, et place toute ton attention sur le souffle. Je te propose pour commencer par une petite technique de respiration. Tu vas inspirer par le nez, bloquer ta respiration pendant 2 secondes et ensuite souffler très fort par la bouche. J'inspire, je bloque ma respiration 2 secondes et j'expire très fort par la bouche. J'inspire. Et je souffle très fort par la bouche. Je te laisse continuer à répéter ce mouvement pendant quelques instants. Continue encore un peu cette pratique de respiration et garde bien ton attention présente. Ok, tu peux replacer ta respiration normale, habituelle. Garde bien ton attention centrée sur le souffle et si elle se déplace au cours de cette séance de méditation vers des pensées, autre chose. Une fois que tu en as pris conscience, tu lâches prise et tu replaces sereinement, tranquillement, comme tu l'as appris tout au long des séances de méditation précédentes. Tu replaces tranquillement ton attention sur le souffle. Accepter les émotions, leur permettre d'être là, ne pas chercher le contrôle. C'est aussi la recherche de cette démarche qui va te permettre de plus facilement être en capacité de t'apaiser, de t'ancrer dans le calme, la sérénité. Garde bien ton attention placée sur le souffle, sur l'air qui entre et qui sort de tes narines. Observe bien ce mouvement de la respiration naturelle. Il se répète, mouvement après mouvement. Ce mouvement qui t'accompagne toujours, toujours présent, qui t'ancre dans l'instant présent, dans la vie, dans le moment présent.
peux pas vivre dans le passé ou le futur. On ne peut qu'y réfléchir, spéculer, ressasser ses regrets, ses espoirs, ses craintes. Être dans l'instant présent, c'est exister. Être dans l'instant présent, c'est vivre. Je vais te proposer une petite visualisation. Alors je t'invite à te laisser porter, guider par ma voix. Ne cherche pas à imaginer le paysage dans les moindres détails. Ce que je te propose, c'est vraiment de t'imprégner des sensations, de vivre l'expérience sans forcer et te laisser guider par ma voix. Je t'invite à visualiser que tu es en train de marcher sur un sentier. Il fait très très beau. Un beau soleil. Il y a un léger vent que tu sens venir vers toi, qui rend ce moment encore plus agréable. Entre cette sensation de chaleur du soleil qui vient légèrement réchauffer ta peau et ce petit vent frais, iodé qui arrive vers toi et qui rend la sensation encore plus agréable. Tu marches le long de ce sentier et plus tu avances, plus tu prends conscience que tu te rapproches de la mer. Tu le sens, cette odeur iodée et aussi au bruit des vagues que tu entends de plus en plus, plus tu t'avances, plus tu chemines le long de ce sentier. Et tu arrives au bout du sentier, au bord d'une falaise. Et de là, tu peux observer la plage et la mer. Et le mouvement des vagues qui avancent et qui reculent, moment après moment, mouvement après mouvement. Tu observes. Décide de descendre le long de cette falaise. Il y a un petit chemin qui te mène jusqu'à la plage. Tu suis donc ce petit chemin, prudemment. Et tu peux ensuite marcher sur le sable. D'ailleurs, tu enlèves les chaussures pour pouvoir marcher pieds nus dans le sable et ressentir cette sensation de chaleur, le sable chaud, chauffé par le soleil. Et tu peux marcher dans le sable jusqu'à la mer. Et tu t'arrêtes au bord de l'eau. Tu peux marcher un peu les pieds dans l'eau maintenant et tu longes la plage. Tu apprécies cette différence de sensation entre le sable et l'eau, cette différence de température aussi entre le sable réchauffé et l'eau tiède de la mer. Et t'en profites. Tu avances tranquillement, paisiblement, seul sur cette plage, paisible. Tu décides de faire demi-tour
Tu regagnes le petit chemin sur la falaise. Tes pieds sont à nouveau dans le sable et plus tu avances, plus il sèche. Tu retrouves cette sensation de chaleur au niveau des pieds. Tu remontes le petit chemin et arrivé en haut de la falaise, tu observes une dernière fois la plage et la mer. Tu repars en suivant le chemin qui t'avait mené jusqu'à la mer. Garde bien ton attention sur ton souffle. Replace-la à chaque fois que c'est nécessaire. Je te laisse bien replacer ton attention sur le souffle, sur l'air qui entre et qui sort au niveau des narines. Et on va ensuite pratiquer un petit exercice de respiration, un petit exercice de cohérence cardiaque. Alors je t'explique en quoi va consister cet exercice. Tu vas inspirer par le nez pendant 4 secondes, retenir ta respiration pendant 7 secondes, et ensuite expirer profondément par le nez ou la bouche, comme tu préfères, pendant 8 secondes. J'inspire par le nez profondément 4 secondes. Je retiens ma respiration, 7 secondes, et j'expire profondément par le nez pendant 8 secondes. J'inspire, 4 secondes, 1, 2, 3, 4. Je retiens ma respiration pendant 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis j'expire profondément par le nez ou la bouche pendant 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inspire pendant 4 secondes. Je retiens ma respiration pendant 7 secondes. Et j'expire profondément pendant 8 secondes. Je te laisse répéter ce cycle de cohérence cardiaque. 4, 7, 8.
Ok, tu vas pouvoir replacer une respiration normale et habituelle par le nez. Tout doucement, replace ta respiration normale. Et garde bien ta conscience. Bien placée sur le mouvement de la respiration, sur le souffle, sur l'air qui entre et qui sort de tes narines. Le soutien le plus important à la pratique de la pleine conscience est la qualité de notre motivation. Aucune aide extérieure ne peut remplacer cette passion douce, mais résolue de la vie, de chacun de ces instants, cette envie de la vivre comme si elle importait réellement. En sachant combien il est facile de passer à côté de pans entiers de notre vie à cause de notre inconscience et de notre automaticité, mais également de notre profond conditionnement. C'est la raison pour laquelle il est important de pratiquer comme si notre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Pouvoir commencer à redonner du mouvement au corps, aux jambes, aux bras, aux pieds, aux mains, à tes épaules, au cou, à la tête. Pense à bien t'étirer. Tu vas pouvoir commencer à rouvrir les yeux tout doucement. Reprendre conscience de l'endroit où tu te trouves et du moment présent, du moment de la journée où tu pratiques cette séance de méditation. C'est une séance de méditation pour te permettre de t'ancrer encore plus dans l'apaisement, dans le calme. Séance que tu peux refaire quand tu le souhaites, n'importe quel moment. Je te souhaite une bonne pratique. Namasté.